voudrais transmettre mes sincères gratitudes à M. Richard Hussein, directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle du pays, à l'endroit de M. le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste Côte d'Ivoire, et à travers lui, le gouvernement du peuple de Côte d'Ivoire et le peuple de Côte d'Ivoire, pour avoir accepté d'abriter le présent atelier qui s'ouvre ce matin à Grand Bassam, cité historique du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le but de ce projet est de fournir aux pays bénéficiaires une assistance technique et un accompagnement afin de définir et de mettre en œuvre des stratégies de transformation postale efficaces et faciliter l'accès aux outils nécessaires pour encourager les gouvernements à mobiliser les opérateurs postaux dans la mise en œuvre des stratégies. Durant ce cycle 2017-2020, l'UPU mènera une série d'activités dans le cadre de ce projet de coopération et développement régional afin de renforcer la contribution des postes à l'inclusion numérique et de contribuer fortement à la réalisation des stratégies nationales d'économie numérique. Aujourd'hui, l'UPU nous appelle à la transformation numérique et à la diversification de nos produits et services, ce qui, à mon sens, n'est rien d'autre que l'innovation. En effet, avec la technologie qui ne cesse d'évoluer, des pans entiers de l'économie sont voués à disparaître et à être remplacés par de nouvelles opportunités de développement. En nous fondant sur de telles réflexions, nous convenons qu'il y a nécessité pour nous, Poste, de se transformer et de diversifier leurs prestations suivant l'évolution des besoins des citoyens. Les ateliers comme celui-là sont salutaires pour les postes africaines parce que c'est l'occasion de renforcer les capacités d'une part, mais aussi de partager les expériences de tous les pays de cette communauté francophone et permettre aux uns et aux autres de s'enrichir. Si la Poste veut demeurer pertinente, elle doit se mettre à l'aune de la transformation numérique, ce qui lui permettra de se moderniser et d'offrir des produits qui répondent aux besoins du moment, qui répondent aux exigences de la clientèle du moment. Les postes sont un atout, les postes sont le personnel, le réseau, mais les postes doivent s'approprier des retombées des nouvelles technologies pour booster leurs activités. C'est pour ça que nous sommes heureux de la tenue de cet atelier pour sensibiliser tous les responsables postaux. Pour dire qu'actuellement, la numérisation, ce n'est plus un mot, mais ça doit être une appropriation que chaque responsable de poste doit faire s'il veut que sa poste résiste aux différents changements. Il y a 22 pays qui ont été invités pour cet atelier et les 22 pays sont présents en Côte d'Ivoire. Donc c'est déjà en soi un succès que l'ensemble des délégués aient répondu présent. Et des pays ont envoyé 2, 3, 4, 5 délégués à la fois pour prendre part à cet atelier. Mais c'est normal parce que le thème de l'atelier est un thème qui est d'actualité. Okay? Donc on comprend l'engouement des postes, on comprend l'engouement des populations par rapport à cet atelier que nous organisons aujourd'hui.